C'est quoi? Bourguignon. C'est vous qui l'avez préparé? Oui. C'est comment vos prénoms? Kevin. Kevin. Ah, d'accord. Le bourguignon de Kevin et Kevin? Ouais. Il y a quoi dedans? C'est une recette secrète ou? Non, il y a des champignons, des carottes, de l'ail, de l'oignon. Un peu de cidre doux. Ah, cidre doux. C'est pour ça que ça ne se prend pas comme d'habitude. Ah, d'accord. C'est bien quand même, ça sera bien? Oui, oui, oui. Sinon, ça va dire coup. Il cuit depuis combien de temps là? Ah, ça ne veut pas trop longtemps. Voilà, ça fait à peine une heure. Là, peine une heure qu'il s'accuit. Pas plus. Ça, il est quelle heure? Là, il est 10h. Ça fait une heure à peu près. Et il sera prêt dans combien de temps? Dans 2h. Normalement, à 11h, il devrait être prêt. Qui est-ce qui va le manger? Nous. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas difficile. Oui, toutes les viandes. Du bœuf, du veau, voilà. du porc. Non. Pas plus ou moins cuit. Oui, c'est ma garde. Non, mais après, chacun sait tout. C'est ça. Des viandes plus ou moins cuites, tu vois. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien. Bravo. Bon, et puis, bon courage. C'est des métiers où vous trouvez en suite. Ce sont des apprentis. Ils apprennent tout ce qui est travail des pâtes levées feuilletées, donc croissant, pain au chocolat, pain au lait, pain viennois, brioche, pain de mie brioché, tout ce travail-là. Tout ce qui nécessite normalement l'utilisation d'une machine qu'on appelle le laminoir pour les pâtes levées feuilletées et les batteurs que vous voyez là-bas, aussi bien pour les pâtes levées. Alors, ce sont des apprentis qui ont déjà un examen en pâtisserie et qui donc passent le CAP boulanger en un an en accéléré, en 10 mois. Et après, ils peuvent rentrer en entreprise? Ah, ils sont déjà en entreprise, ils sont déjà employés avec leur CAP pâtissier qu'ils ont, mais ils ont décidé de continuer de se professionnaliser tant qu'ils étaient dans l'âge pour correspondre à l'apprentissage et en faisant tout à la suite en fait. Parce qu'ils peuvent garder leur bénéfice de leur premier examen pour passer l'examen suivant en une seule année. Qui est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire une fois qu'on a le CAP boulanger, on peut passer le CAP pâtissier en un an.